J'utilise des mots compliqués. Hein. Attends, attends mes grichons, comme dirait Ken. Alors, hop, je t'ai mis dans le lien. Voilà. Attendez, nous on fait notre petit truc. Ok, d'accord. Ça, je le télécharge. C'est complètement con. Putain, il y a Alaba qui s'inscrit. Ouf, il est même venu, le fou. Oh, je vais fumer ma clope en attendant. Alab, quand il veut jouer de la, quand il y a de l'argent, il vient de toute manière. C'est ça. Il a toujours pas lâché Voilà. le steak. C'est honorable de sa part. C'est ça. Putain. C'est Ah, mais moi, remarquable là-bas, de je penser pensais à il y aurait tourner de... League of Moi, là-bas, je pensais y aller avoir deux Isaac bécors, tu Rebirth. sais. En 10 minutes, c'était terminé. Oh, putain. Bah oui, on participe. De toute façon, tu prendras pas l'argent. Hein. Ah si si, tu joues à là-bas, tu t'inscris. J'avoue, le batterie s'inscrit, j'aurais pas, Ah mais c'est le pire. tu mets le cancer en fait, tu vas niquer tout l'arbre du challenge. Ah le bâtard. Bon, de toute façon, il a le temps de se désinscrire Oui. puisque de toute façon, je télécharge le jeu. Ah, c'est le bordel ce stream. Ah, tu m'as vendu du rêve avec les photos de bouffe, hein. Ah Putain. ouais, le roast beef il était ouf. Hein. La Doran elle a Ah, commandé ça j'avoue. dans une boucherie robeux pour 15 personnes, le machin il était pour 25 personnes. Ok, bah je te désinscris à l'app comme ça au moins il n'y aura pas d'embrouille. Montre ta ganache. Tu veux la... Ah, mais je vais te le donner le lien là. Bah attends, bouge pas si c'est que pour ça, pour le télécharger. Quoi, En plus, tout maintenant ça t'as parce mis. que j'ai dit que les gens ils pouvaient se démerder un peu pour chercher des roms. De toute façon, quand je mets une rom, personne n'est content, tout le monde me dit qu'elle marche pas. Ouais, non, mais en fait, le lien que j'ai mis pour la ROM dans le GOG.fr, ça te dirige vers Google, en fait. Ah bah bien joué. Alors J'accepte. C'est pas très sympa, mais. bon alors Il voilà. a mis Google cherche pour toi. Non, mais Alab, il veut pas jouer, c'est tout. Il s'inscrit en mode peut-être que ça va être un bon jeu. Il a vu que c'était pas un bon jeu. Je viens de rentrer du sport, genre il fait du sport. Attends, c'est Alab, il qui fait qui du va à la sport. salle de sport? Alab, il fait Non du mais c'est qui sport. qui Ah va à bah, la salle de c'est sport bon. s'il n'y a pas du sport? C'est bon, je l'ai supprimé, on est bien. Voilà. Ouais. La salle de sport, c'est pas du sport, hein, je le dis tout de suite. Hein. Les gens qui font de la musculation ne font pas de sport. Rouba, bacadate la salsa. Voilà. Moi, tu évidemment, je sais, j'ai un téléchargement pourri parce que je stream OZ. Donc, ça va mettre encore une Bien petite sûr. minute. C'est vrai. Ouais. Mais Je vais chercher des... Ah mais moi, ça va moi venir j'ai d'une une seconde vue, à il y a que l'autre. des... Hein. Oh, c'est ça, moi j'ai une vue, il y a que des manouches. Hein, Des Batmanouches, même. Et je crois qu'il y a même Ah Batmanouche dans le ouais. tournoi, mais il viendra jamais. Le Batmanouche, il est au Japon, il est en train de dormir là Ah, encore. pas Batmanouche, qu'est-ce que je raconte? Nardine, putain de merde. Parce que Moïse Duterte, ça peut être que lui. Hein. Ah, il y a même OZL. Hein. Le mec qui s'inscrit à tout, le fou. Ah, je m'inscris pas à tout, tu ouf. Phase classique d'un mec qui connaît pas. Bah écoute, là, bah, j'ai fait du sport. Hein. Vous Ça ferez un fait bras de un peu fer et le gagnant aura du raison. sport collectif. Et puis bon, quoi, physiquement, je t'ai vu, je pense que je peux te battre au bras de fer, y a Ah, pas le de problème. bâtard, ça fait des Ah, oh, défis. Hein. ça va. Venez vous régler au Ah, dojo, hein. Il y a complètement des poubelles à côté du je dojo. rappelle que la musculation, médicalement, ça s'appelle l'hypertrophie musculaire. Hein. Voilà. Médicalement. Médicalement, ça s'appelle l'hypertrophie musculaire. L'hypertrophie. On dirait une attaque de Dragon Ball. Hypertrophie. Ah putain, je suis tellement défoncé, sa mère. C'est le rayon magique, attention. J'ai qu'une envie, c'est que ça se termine et que j'aille me reposer. Ne me dites pas qu'il y a du Windjammer à commenter ce soir. Non, c'est League Bowling qu'on fait ce soir. C'est quoi? Du bowling ce soir? On fait du League Bowling. Oh putain, ça a l'air zéro. League Bowling, oui. Mais j'adore le bowling Ça quand allait même. vite. Ah, ça y est, c'est téléchargé, j'en fais quoi de ton truc alors? J'en sais rien. Tu me dis Tu télécharge changes de le la ROM machin. ou du... Ah, tu m'as dit Quel télécharge machin? Fightcade là. Ouais. Ah, Répus, c'est un quartier dans Paris, c'est République, et c'est là où il y a le Versus Dojo. Mais donc du coup tu t'es pas encore créé de compte sur le nouveau Ah si, GPO? moi j'ai Fight 4, ouais. Ouais, bah c'est vrai, mais Ah c'est la ouais. mise à jour ça. Bah, tu dépiles tous les zips, tu le décompresses dans le dossier que t'as actuellement pour remplacer les fichiers et puis voilà. Ah, c'est tout? Ah, bah on est bien là. Ah oui? Hop là.
Non, c'est pédéraste, Kekun, pas pédéraste. Ça ne veut rien dire. Pédéraste. S'il vous plaît, utilisez la bonne orthographe quand vous insultez les Mon gens. goût, bah attends 2 secondes, moi je télécharge les trucs, t'es fou mon gars. Bon, bah on va faire, ouais, comme Kekun il a dit, hein, ça a l'air bien là, des. Comment il a dit là, des. Ouais, 2 minutes US, 2 minutes 30 par mi-temps, ouais, ça m'a l'air bien. On va partir, hein. Oh là là. 2 minutes 30 par carton, putain, ça va être long, Par faut qu'on carton, non, organise un par demi, match. par mi-temps il a dit. Bah, pédéraste, bon, l'orthographe exacte, c'est... Voilà, ça va marcher. Ah, c'est bien, on a lancé un petit débat sur la musculation dans le chat, c'est merveilleux, on dirait les débats de 2X, c'est parfait. Comment la Ça, vous barbe êtes du S, plusieurs ton maintenant. truc là, c'est vous qui le Alors, en faisiez fait, ça? tu fais... Non, en fait, tu fais CTRL F5 quand tu lances GPO. Quand tu lances FightCAD et tu as sélectionné région, tu mets US. Quand je le lance, c'est-à-dire quand je l'ai déjà lancé, Ouais, je lance donc... exécutable et. Mais Oh là après là, le ça login? fait chier. Non, mais tu t'as lancé FightCAD, c'est bon, viens Voilà, dans là, la moi je suis room. sur le Fight 4, moi. Vas-y, viens dans la room, Street Hoop. Ah, moi là, je suis sur Street Up, là, ouais. Je te vois pas mal ça. Donc, en fait, vas-y, on va se challenger et je pars en même temps. Non, c'est pas moi, j'ai pas m'auto-challenger, je suis très con. Alors, ça Oh, marche pas. le son, il m'a pété les oreilles là. Attends, tu m'as challengé? Non, c'est toi qui m'as challengé. Bah, attends, j'ai fait n'importe quoi, pardon. Je recommence, vas-y. Vas-y, recommence. Vas-y, je t'ai challengé. J'ai rien reçu. Moi, je t'ai challengé. Fais pas le fou. Ah, clair. Je sens que ça va pas marcher. Là, tu fais CTRL F5. Et dans région, en fait, tu sélectionnes Ah oui, vas-y, région, tu USA. choisis US. Mais par contre, ouais, 2 minutes 30, ça fait long, parce que ça fait 5 minutes par match. Moi, je pense 2 minutes, c'est Faut déjà mettre un bien. peu. Ouais, tu mets 1 minute par carton, voilà, ça fait 2 minutes, c'est bien quoi. On peut avoir le lien du challenge. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Tu l'as, toi, le challenge. Ouais, je sais pas si c'est celui-là. Lien du chalon, ouais, voilà, il est là. Oui, ça a quitté direct là le jeu. C'est toi qui as quitté? Non. Oui, c'est moi qui ai quitté, ouais. Ah bon, c'est bon là. Ouais, moi j'ai tout, moi j'ai tout. On est bien. Alors 2 minutes par 2 minutes par carton? Oui, 2000. Enfin 2 minutes par De toute mi-temps. façon, il y a que deux cartes. Il y a deux mi-temps, de toute Ok, façon. bah alors on est parti, on va faire le premier match alors. Je sais pas C'est qui. qui? Je sais pas moi. Hop, bah c'est toi contre Dan. Ah bon? Putain, c'est quoi ce challenge de la con? Mais je suis. Attends, faut que ça aille vite, Dan. Hein. Ça va, on joue pas NBA Jam non plus. Hein. J'avoue, là, si vous comptez vous tuer sur ce jeu. Non. Oh là là, putain, ça y est, ça débat dans bon alors. Bah, à toi qu'on donne, moi ça me paraît bien. Oh non, vous battez pas pour de la muscu, hein. Moi je pense que le meilleur sport c'est curling. Hein. Bah, c'est vrai. Moi, passer me donner des coups de balai sur de la glace, Ah ça me non, fait moi rire. je Bon, shuffle vas-y, pas là bat. aujourd'hui, là j'ai la flemme. C'est très bien comme c'est là. Hop. Vas-y, t'as plus qu'à taper qu'on donne et on est parti. Bon, ok. Rumba. La scène amène à Oui. salsa. Bah demi Ouais, 1 minute par carton, ça me paraît bien. donc un match de 2 minutes 30 sur version, un match gagnant, voilà, c'est très bien. Ouais, c'est bien, voilà, C'est c'est sûr, on comme gagne. Kekuni dit. Voilà, faites comme Voilà, Kekuni ok. dit, ça me va moi. C'est vrai. Oh là 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 là, pff, je mets même pas de générique, je m'en bats la race aujourd'hui. Oh là, alors par Vous contre, battez pas, vous me faites de la peine. c'est vrai, on va pas dire, hein. Ce n'est qu'un sport. Alors, playtime, bah c'est bon, 2 minutes là, on est bien. Là là, il faut que je compresse. Moi je suis en US, hein, de toute façon, Dan, y a pas de problème. Faut remettre en US à chaque fois ou une fois c'est bon? Bah non, moi c'est bon, moi je vais configurer déjà en US hein, chez moi, donc pour moi ça devrait aller.
Alors, playtime 2 minutes, donc ça fait versus playtime, donc faut mettre plus du coup, faut mettre 4 minutes. Voilà, Ça va. c'est bien comme ça. Je vais faire. Voilà, vous faites Non, vous faites vos magouilles. c'est ça. Ah, 2 minutes 30, c'est pour ça que j'ai fait une connerie. Voilà. Ah, c'est 2:30. Hein. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, ça c'est bien. Ouais, le son, il attend que tu bosses un peu le son, est-ce qu'il est un peu trop cruel? Oui, je fais n'importe quoi. Voilà. Ça me paraît bien comme ça. Ouais, c'est doux. Ok, 2 minutes 30, voilà, c'est bien. Ah, le bordel, comme ça je. Ah là là, tout ça pour du frisbee. Voilà, hop. Ouais, mais Là j'ai mon équipe. le jeu est pas en plein écran sur moi, c'est normal. Je ne sais pas ce que tu as fait, là. Je sais pas ce que tu as fait. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Moi, je réglerai ça plus tard, parce que j'ai pas encore réglé mon fight 4 proprement, pas eu le temps. C'est vrai. Voilà. Tac, voilà. Oh les Voilà, gars. ça engage, hein. Ouais. Je pense pas que Miami puisse gagner, il y a trop de blancs. En général, les équipes, c'est deux noirs, un blanc. Deux noirs, un blanc. Oh merde. Est-ce qu'il serait en train de dire que un blanc Les blancs égale deux savent. noirs? Non, mais que les blancs savent c'était, a priori. C'est ce que dit le jeu. Enfin, il y a 2 à 2. Oh, ce reverse dunk. Tout en dragon. Ah, le son il est bon. L'OST du jeu est crack. 3 Adèle qui a taffé Street Mob toute sa vie, on dirait. Oh, ce 3 points. Ah, Dan qui n'est pas en reste. Hein. Je pense que c'est le meilleur Windjammer qu'on ait jamais vu. Mais Dan, il connaît les arcanes du jeu, c'est pour ça. Tu fais un jeu de frisbee avec avec un jeu de basket, et voilà, là on est bien mieux. Hey, oh là là, le super tir. Ça se tue. Oh, il spamme les 3 points, le chien. C'est complètement serré, hein. Moi j'ai la pression pour vous deux là. Oh, il a cassé la gueule d'un noir blanc. Ah le bâtard, il met la super de You. Ok. Voilà. Le reverse dunk. Oh, putain, ça m'a l'air imbloquable comme coup. 15 secondes au compteur, ça se tue. Oh là là, les 3 points, il a la science du 3 points, il reste plus que 10 secondes en ce. Il y a encore un dunk, ah le bâtard. Ah, ça égalise, hein. 17 partout, il reste 3 secondes, 12 secondes, 10 secondes. Ouf! 17 à 17. Ah, mais il met la pression ce jeu en vrai. Ah, faut remettre des pièces en plus entre les mi-temps. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de gitan? Ah, c'est un jeu de fête foraine, non? Oula, un jeu de fête foraine. Oh, pour l'instant, là, il y a une défense. Oh, cette feinte! Ah, il a tout encore raté 3 points, ça risque beaucoup de choses. Point 3 points. Ça sent le reverse dunk. Batara. Ah, OZL qui prend l'avantage. Je pense que OZL c'est son jeu. Adam qui tente encore 3 points. Il a pris une petite claque par le Renoir là. Par Shaquille O'Neal. Ça a tenté 3 points. Ah là, mais quel génie. Quel génie. Adam qui est au 0 de telle vie. Ah, le 3 points qui passe enfin. Ouais, si bien que ça passe, à la fin de... quand tu bourres dragon à l'infini, il y a toujours un qui passe. Ah, les dunks ils sont imbloquables. Downtown. Cette offensive, je pense que Détroit est top tier dans ma vie. Oh, cette feinte. Adam il est pas encore mort, il reste une bonne minute, enfin 45 secondes. Le super tir, voilà, ça va être chaud pour Dan 6 points de retard.
Là, il me rentre encore un 3 points. Là, Sylvain remet un 3 points qui défend parfaitement. Et le reverse dunk, ça c'est l'arcane secrète. Hein. C'est l'arcane secrète. Ben qui arrive à mettre un 3 points, il a le super shot. Tout n'est pas perdu. Et ça y est, tout est perdu. Oh, ce 3 points. Ben qui va tout tenter. Je pense qu'OZL va jouer le temps. Complètement. Ça gagne 32 à 31. Bam, bam, bam. Ah là là, ce match, moi il m'a mis la pression. Bah, je te laisse t'occuper du challenge, OZL. J'ai pas la main sur le challenge. Merde, bon bah alors je vais m'en occuper. Bah voilà. Bah, en plus, toi tu joues directement, OZL, tu rejoues directement. Ah, je rejoue directement, d'accord. Tu rejoues contre Kekun, donc tu dois tuer toutes les stars, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, ça tourne vachement bien, Fight 4, ça fait plaisir. Oui. Mais sur des jeunes supporters et tous, y a pas d'embrouille. T'es vraiment bien. Vas-y Kekun, toi change-moi. T'as pas lancé le tournoi. Ah, c'est pour ça, t'as pas lancé le tournoi sur... Ah, bah oui, d'accord, très bien. Quand je t'ai dit qu'aujourd'hui j'étais dans une forme olympique, je les connais pas. Vrai, oh, vous allez pas m'emmerder toute la journée. Attends, ah bah, merde. Du coup, j'ai mis mon match, voilà. Je te jure, j'ai fumé une clope quoi, il y a 5 minutes, mais j'ai l'impression que mes poumons ils allaient mourir. Je crois que je vais me télécharger l'OST de Street Hop. Il m'a l'air assez garanti. Ah oui. Ah, c'est toi qui, c'est toi qui. Je crois que je me servirai de la capture d'écran, de la capture de fenêtre plutôt, un de ces quatre, parce que ça commence à me remplir d'azier. Non, je pourrais le faire maintenant, ah, tu me diras. Il met pas la version du Hood, il est chiant, cet enfant. Oh, attends, hop. Ah voilà. Voilà, comme ça. Il n'y a pas d'embrouille comme ça. Oh non, ça m'a rempli. Voilà, hop, ça m'a rempli. Excusez-moi, moi je suis ma popote hein, en attendant. Hop, on est bien là. C'est tellement. Kekun, ça doit être un ancien. Ouais, le terrain il est garanti avec les ballons et tout. De toute façon, Kekun il est invincible sur tous les jeux de merde. Hein. Normalement, c'est le génie des jeux de merde. Pas un jeu de merde. Ah non, c'est vrai que Street Hop, j'ai joué contre Samy au dojo et j'ai bien kiffé ma race quand même. Je mentirais en disant que j'ai pas pris du plaisir. Même si je me suis fait des bons stays. C'est vrai. Oh, j'ai lâché un petit row. Pensant qu'il coûte 6 à 2, donc bon. Je ne commenterai pas quand Kekun gagne. Oh, il a une défense. Ouais, j'avoue. D'acier. Je le prends tard, il faut. 8 à 2, pour l'instant, ZL est sa pute. Oh, il a les just frame. 11 à 2, pour l'instant OZL se fait retourner le fion. Oh, il met même pied, elle est où? Voilà, t'as mis ton petit imbloquable là. Le reverse dunk. Oh là 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 là, il fait des combos en cross. En crossover là. Oh, ce coup, j'y croyais pas. Oh, mais Kekun m'a l'air intestable. Waouh! Mais il met des faux dunks. Waouh, ce 3 points de cette aile! Ça ne veut rien dire. Là, tout n'est pas encore perdu. Oh, et puis je vois le temps, cette petite pute. Hein. Ah, mais c'est. Ah, oh, là, 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 c'est la pire des putes. Ah, bah oui, ça c'est. Ah, faudra que je règle mon Fight 4, un de ces 4 pour les streams. Là, c'est un petit peu sale, mais. La technologie vient de sortir, j'ai mis 2 ans à me servir de GGPO. Fire Suplex.
Ah bah tant qu'on a fait CAD, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, je m'en bats les steaks. Tant que c'est pas des jeux de puzzle. Parce que jeux de puzzle, c'est vraiment l'ennui. Hein. Je suis désolé pour ceux qui aiment les puzzles, mais moi ça m'endort. Je crois que Kekul qui est intestable sur le jeu. 19 à 11. Ah, je pense que Zedal il peut remonter quand même. C'est un mec de la remontance. Ah, si j'avais fait un petit arnaque. Et tu peux jamais défendre dans le jeu en fait. Si, mais moi je vraiment les coups de coude sur les gens, sur les mecs qui passent pas. Je pense que c'est des just frame. Ça se voit que c'est des just frame. J'ai eu la frame data avant de venir. Ouais, on a vu ta tier list aussi. Bah, c'est vrai, regarde, les noirs ils sont top tier, les pas noirs et. Là, regarde, New York ils ont 4 noirs, c'est top tier. Ah oui, mais ça joue à 3 contre 3. Ah putain, je suis vraiment défoncé. Slam Dunk. Slam Dunk, c'est le manga. Meilleur manga. Meilleur manga de sport derrière Eshi de Hippo quand même. C'est vrai, derrière Eshi de Hippo. Ouais, il a détruit le. Ah mais le jeu il est stylé quoi. Oh là là, Kekun il fait une démonstration technique du jeu. Ouais. Ah t'as plus de temps de jouer la montre mon vieux. Oh là là. Kekun qui est intestable. On dirait la Suède contre les États-Unis. 32 à 20, je pense qu'il n'y a plus besoin de commenter. Je pense de savoir qui a gagné. Ouais, GG. Oh, c'est le GG, hein, c'est Nexus qui tombe. C'est pas grave, hein, c'est fait, on parle plus. Ah là, Kekun qui marque même pas un dernier panier histoire de. Hey, fais le fou. Moïse du Terre-Terre, attention, et de Baudrillard. Qui est Moïse du Terre-Terre? Moïse du Terre-Terre, il sera jamais là, mon gars. Bah, donc c'est une victoire facile pour le Baudrillard, du coup. Ah, moi je pense, ouais. Je vais regarder sur Twitter s'il y a quelqu'un qui m'a lancé une petite insulte. Non, même pas. Bon, bah alors c'est qu'il n'y a personne. Hop, voilà, c'est réglé. Bon, vas-y, fais passer de Bodo. Ouais, vas-y. Hein. Pas que je suis pressé. Mais... Moi, je suis chaud pour commenter du bowling ce soir. Bah, tu viendras au bowling ce soir alors. Au bowling, faut que je ramène mes chaussures pour streamer. Ah, complètement, s'il te plaît. Mais je sais que tu as de superbes escarpins pour le bowling. Je suis joueur international de bowling. C'est quoi le prochain match du coup si De Baudry gagne là après? Donc ce sera Arctal. Arctal il est toujours là. Arctal et. Tu vois, je vais dire une connerie, je crois que c'est Birdie. Ah oui, c'est ça, Arctal Birdie. Bah vas-y, Arctal Birdie, je vais leur marquer ça sur le chat. Ah bah tu, tu me dépasses. Ah bah Moïse. Ah moi en plus j'adore le bowling, j'adore tous les sports techniques et passions qui misent moins sur le physique que sur le... pour ça que je suis un fan invétéré de golf. Et aussi de canasta. De canasta. D'ailleurs si tu veux qu'on stream le golf, un grand tournoi... Moi je t'ai dit un jour en 24 heures de... Par contre j'ai trouvé un boulot maintenant de ZL1. Moi, le samedi je serais plus là. Hein. Ah bah merde. Enfin, je peux venir le soir chez Watt, mais. Il faut que je puisse dormir sur place, quoi. Je préfère te prévenir. Ouais, c'est faisable. C'est qui Moïse? Moïse, on attention, se le demande. Bon, promis, je m'occuperai de cette histoire de capture de région d'écran avant ce soir pour faire un truc propre, c'est juste que là j'ai pas eu le time de m'en occuper. Avant ce soir? Ouais bah j'aurai un petit peu de temps là ce soir. Hop là. Tu as rejoint? Ah moi je suis dedans moi, non mais ce Fight 4 c'est ouf hein. C'est fini les embrouilles de oh, ça on voit pas aller que le match là c'est dash très into stream. Je crois que la meilleure chose qui soit arrivée au monde, c'est ça. On n'a jamais fait mieux que Fight 4. Après, faut voir parce que en même temps, Fight 4 ça tombe bien parce que les serveurs ils sont allégés, il y a personne. Il y a 100 personnes. Je pense que le mec il a prévu une vraie structure derrière. Bah ouais, je pense qu'il a déjà des meilleurs serveurs.
Parce que t'as un serveur dédié pour des jeux que Cadillac et Dinosaur, je savais même pas que c'était un jeu ce truc. Mais ça a l'air garanti. C'est un super bizarre, Kagaki Dinosaur. Respecté, il y a eu un dessin animé aussi avec ça. Oh merde. Oh, je vais aller à Los Angeles aussi. Waouh, il y a même des stats et tout, ça veut rien dire. Allez, hop, sur un terrain du Wood, avec le TJ ouais, derrière. New York, ils ont des dunks. Ouais, c'est ça. Ah, oh, ça joue l'autre tiers. Birdie joue Seattle. Oh, le terrain, il est stylé. Le MC sur le bord du terrain. Qui... Oh là là, c'est du vrai match. Ah ouais, ça passe, ça va vite. Hein. Donc, notez qu'on peut faire des retours dans les dans sa zone. Hein. On n'est pas pénalisé, hein. C'est au basket. 3 points directement. Ah, ça tombe le petit. Bien sûr, Danoï, je pourrais faire un topic unique. Donc j'en ferai un nouveau. Et tu. En fait, le truc, c'est que bon, ça, je sais que ça t'emmerdera un peu, mais tu supprimes les anciens et je vais en faire un tout nouveau. Dans ce cas-là. Ça, c'est, ça allège un peu le truc. Je supprimerai les anciens et je vais en faire un nouveau tout nouveau, tout beau et tout gros. Et je compacterai tout le tout dedans et je ferai des updates au fur et à mesure. Ouais, voilà, très bien. Après, il a taffé le jeu en 7-2. Je supprimerai bien moi-même, mais j'ai pas le droit de supprimer ces trucs-là, je pense. J'ai pas les droits de, les droits d'administrateur. Les zones de 3 points. Le 3 points de Birdie là. Arctel qui commence à tenter les 3 points de l'autre côté de la planète. C'est vrai. Il a chargé les barres en plus. Mais c'est pas fini, hein. C'est complètement pas fini. Le 2 points, bien trouvé. Oh, qui passe, fake shot. Oh, oui. Le super shot c'est un imbloquable, on est d'accord. Oui, tu peux rien faire sur le super shot. Hein. Il y a un petit alley hoop, on n'a pas encore eu beaucoup de alley hoop, on doit en avoir un sur 2-3 matchs. Alley hoop, c'est là où c'est la rue où les parents de Batman ils ont été tués. Ça c'est alley hoops. C'est l'alley hoops. C'est ça. Ah bien joué, un Birdie qui avait gardé ses barres pour ce moment. Bien joué, il était dans le momentum. Ouais ouais bien sûr Dan, je comprends, je comprends. Ouais bah pas de soucis, bah dès que tu supprimes, j'en recréerai rien. Ce New Yorkais qui a mis un petit coup de bide au Seattleien. Ouais. Seattle, t'as la casquette verte. La casquette verte, c'est un artefact qui donne plus 10 hein, sur les points. Casquette violette. Ah, il a plus de couleur du bois, quand même, bon, bien joué, le petit décalage là de Birdie. Oh, cette interception. Oh, oh, ça a failli se punir en 3 points. New York et le guac.fr parce qu'il y a les couleurs du guac, hein. Ouais, une semi-couleur du guac. Enfin, ouais, c'est vrai qu'on dirait la page d'accueil. Ah non, quoi, merde, il y a du violet aussi avec la casquette. Ah, mais ah c'est oui. Garanti. Ah ouais. Oh là, le fake shot. Boum. Ouais. Ah ouais, en dunk, ça va être stylé. Super shot en dunk. Là. Ah, un petit super shot. Ah, bien joué. Il reste encore 1 minute 10 et c'est très accroché, hein. C'est Birdie qui tente peut-être trop les 3 points. Ah, oh, ça fait flipper. Il a tué l'intégralité du monde. Ah, oh, le 3 points, Birdie, il a... En plus, il a ses barres. Est-ce qu'il va lui refaire le même coup que tout à l'heure? Oh, il a paré le coup. Bien joué. Oh, il prend l'avantage sur les 30 dernières secondes. 25 à 23, c'est encore jouable. C'est-à-dire que t'as mis un 3, il va peut-être monter les 3 points. Non, il safe avec un 2 points, un petit dunk. 25 à 25, 22 secondes, ça va être très 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 tendu. Ah, attention, un tir devant. Ah, le dunk. 25 à 27, Arctol qui doit absolument mettre un 2 points. Est-ce qu'il va tenter 3 points? Il tente le 3 points. Open interception, voilà. Bravo. Ah, Arctol qui a peut-être misé trop haut. Il a peut-être visé un peu trop haut dans le ciel. C'est dommage. C'est dommage. Bah, je te laisse annoncer la suite ouais, du. Alors, tout à fait. Donc, le prochain match, ce sera Al Pacinco. Donc, Pacinco. Al Pacinco, il est là, ça c'est sûr. Oui, oui, voilà. Contre Momox, il me semble. Momox. Voilà, bah, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est bien. C'est très bien. Voilà. S'il vous plaît, messieurs. Pour la, pour la finale, on fera pareil en 1, mais on augmentera le temps. Non, on mettra 4 minutes. Voilà, c'est ça. Voilà.
Voilà, pour une fin comme ça, on fera une grosse finale. En plus, j'aime bien le jeu, donc ça va. Ça va. Ça me Ça va, t'as dérange pas de beaucoup de rester chance. un peu plus longtemps. Puis comme là, on n'a pas beaucoup de matchs, et surtout, ça s'enchaîne vite avec Fight Cad, donc on sait même plus quoi faire de nos journées. C'est vrai. Moi, je suis pas C'est un habitué, hein. petit On a peu. fait tous nos matchs. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, on a fait tous nos Franchement, matchs. on a fait le premier match aussi, hein. Alors, faudrait les compter, Donc, tu sais. Je vais mettre genre une sorte de, tu sais, de merde, de réceptacle, et je mettrai 1 € à chaque fois qu'on fera le premier match. Et le gagnant gagnera les gens gagneront le pot à la fin de l'année. Ce sera les étrennes. des traînes pour les gardiens, ça. C'est ça. Alors, est-ce que ça cherche à mettre le jour américain ou pas là? Ça change rien par le nom des équipes. Oui. J'ai foutu ça la version avec les pays du pays américain et puis avec les pays. Avec les États américains et puis avec les pays. Une connerie. Enfin, c'est stylé de jouer avec les équipes américaines quand même. Bah oui, je suis complètement stylé. Ah, ça s'appelle Street Slam en version US. Ah, Pachinko. mais là, moi je pensais que Mamok c'était un vrai. Ah, voilà, il joue Chicago, c'est un vrai. Chicago. On a dosé le jeu hier, on s'entraîne un peu. Ah je baisse un petit peu le son du jeu parce que c'est un peu fort, j'entends presque pas OZD du coup. Là ce sera mieux. Ah, ça tente beaucoup trop de 3 points. Ça compte beaucoup de 3 points. Ah voilà, les dunks c'est imbloquable quasiment. Ça paraît, il irait tellement c'est craqué. Et c'est vrai, ma Fight Catch, des fois je me dis, est-ce que c'est vrai ce qui se passe? Oh, y'a Spitation, hein. Salam Spitation, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et la porte est toujours ouverte pour un ami. Surtout quand il s'agit de Gwakekiji. Hey! Ah, il prend 6 points à 0 là pour l'instant. Ah, Dunk Dream en jump. Ok, bah, je retiens. Ah, c'est un 2 points, j'ai cru que c'était un 3 points. Faudrait peut-être que j'arrête de fermer les yeux. Hop, ça c'est. Ça joue beaucoup tout en passe. Ah, le 3 points, putain, Mamos qui commence à être un petit peu passif et il laisse passer des points facilement. Pachinko qui commence à venir jouer au Tugeguak parce qu'il se dit, je vais peut-être pouvoir baiser Kiji sur les points au dernier moment. Oh, le 3 points! Ah, Philadelphie, ils ont l'air garantis en 3 points. No goal! Ah, et le petit 2 points qui fait plaisir. Et le super shot pour les deux parties. Encore à 3 points. Pachinko qui a marqué que des 3 points quasiment. Il a marqué 3 gros 3 points. Putain. Oh là 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 là, et ça égalise à la dernière seconde grâce au super shot. Dommage. Il restait qu'une seule seconde, c'était un petit peu chaud. Est-ce qu'on maintient les barres après la. Allo Zedel? Ah bon, bah j'ai ma réponse. Le stream charge pas. Ah, pourtant je stream. Hein. Bah je crois que Josedel qui s'est barré, me semble-t-il. Ouais, je vois que vous avez certains problèmes sur le stream là pour regarder le stream. Voilà, ça vient de Twitch. Hein. Moi, j'ai aucun problème. Je viens de vérifier OBS du coup, mais ok, zéro souci. En plus, c'est dans une résolution assez basse, donc même si vous n'avez pas un bon PC, vous pouvez voir le stream. Downtown, ça veut rien dire ça. Hey, parlez bien. Ah, pour l'instant, Pachinko qui s'est un petit peu éclaté dans cette deuxième période, il a 4 points de retard. Oh là 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 là, elle en a 6. Ouais, encore à 3 points. Ah, ça va jouer le temps, je pense que Mamox va jouer le temps. Ah non, il va aller tuer le match. Oh, il finit au dernier. Ouf!
10 centièmes de seconde, il marque un magnifique 3 points super shot. Dunké. C'est très 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 propre. Ah, la spitation, ça vient de chez lui. Hein. Vous pouvez lui dire sur le stream que ça vient de chez lui. Ça ne va pas être chez moi. J'ai perdu au ZL, je crois. Un au ZL. Bon, bah, je l'ai définitivement perdu. Tant pis, tant pis. Qu'est-ce que je vous dise? On perd des gens comme ça, ça arrive. Hey, bon, bah, du coup, je vais m'occuper du challenge. Bah, on va continuer tout de suite. Ah, bah, vous avez au direct, c'est à gérer. On va faire Kekun de Baudry. Oh, c'était un 2 points, oui, bon, c'était un 2 points, mais. Ah, bref. Bon, bah, on va faire Kekun de Baudry directement. On va pas perdre de temps. Pour une fois que ça s'enchaîne bien. Ah, oh, c'est tellement irréel. Oh, en plus, ils sont mignons, ils lancent ce match tout de suite. Je suis trop ému par Fight 4, vous n'imaginez même pas à quel point. Pour ceux qui regardent le stream depuis ses premières heures, vous vous rendez compte à quel point ça a évolué grâce aux nouvelles technologies. Déjà, regardez le layout. Est-ce qu'on aurait pu connaître ça il y a 6 mois? Je ne pense pas. Moi, c'est bon, je suis dessus. Salam Psycho, salam. Ah, quelques d'émotions de voir un logiciel qui me prend pas la tête et qui me fait pas pleurer le soir. Ok, bah, je vais me chercher une petite club pendant que je choisis leurs équipes. Je me souviens là, Kekun va jouer New York, de Baudry, on sait pas encore qui va jouer. C'est un mec de Boston, hein, ça se voit que c'est un mec de Boston. Ah non, il joue l'équilibre de Baudry, c'est un homme de l'équilibre. Bon, je reviens. Voilà, excusez-moi, hop, je suis de retour. Ouais, à mon avis, ça va être serré entre. Ouais, je pense que c'est plus Windjammer France, hein, c'est Data East France ce forum. Hey, encore un dunk pour de Baudry, putain, 4 à 4. La Kekun qui galère un peu plus que par rapport à face aux Adel. Ah, le reverse dunk, c'est un imbloquable, je pense. Ça tente le 3 points. C'était un petit peu près. Un petit peu, voilà. Voilà. Elle tente encore un 3 points. Ah là là, de Baudry qui piffe les 3 points de l'autre côté de la planète. Ah là, le super shot, ça c'est imbloquable. 11 à 4 à Kekun qui est au-dessus de la compétition. Hein. C'est le Shaquille O'Neal de Slam Dunk. Oh bien joué. Le décalage, ça. C'est le décalage shop des jeux de sport. 13 à 6, donc oula, attends, 13 moins 6, je retiens 7. Ça fait au moins 10 points d'avance, au moins. Hey, ça retente le 3 points. Par moment de Chicago qui est pas très bonne pour marquer les 3 points, alors qu'ils sont censés être équilibrés. C'est bien connu, plus une équipe est équilibrée, plus elle est mauvaise partout. Ah voilà, enfin à 3 points, il remonte à 15-9, il a un super shot, il faut qu'il rattrape la balle, il faudrait qu'il mette une interception. Ah là 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 là, il peut encore revenir au score avec son super shot, ah, il se fait intercepter, c'est prendre la balle, il va reprendre un dunk. Hey, à 19 à 9, 10 points d'avance. Ah voilà, t'étais là, t'étais parti. Oui. Ah là, bah là on est sur Kekun de Baudry, 19 à 9 dans cette première mi-temps, pour voilà. Kekun. Wow. Ah, salam Seco. Et Aspitation aussi. Hein. Ouais, Aspitation. Aspitation, si tu connais pas, c'est Street Hop, un jeu de basket de Data East. Un jeu très sympa. Hein. C'est dynamique. 21-9 à la de Baudry, il faut qu'il se réveille. Il a 2 minutes 30 pour remonter tout ce retard. Si Kekun a pu lui mettre autant de points, il peut le rattraper. L'inverse est possible. Ah là là là, Kekun qui commence à tenter des trucs. Ah, il commence à vouloir piffer les 3 points et là, 23-9. De Baudry qui commence à prendre sa pété. Même Ozadel avait pas pris aussi cher. Ah voilà, ça recule un petit peu l'échéance, mais. Oh ce wouh, il était craqué. Oh c'est deux. Ah, c'est les nouveaux jeux de baston, donc bon.
À 3 points, voilà, il remonte à 9 points. À 9 longueurs de Kekwood. Oh là, c'est 3 points. Il est unleashed de Baudry, il revient. Hein. Ouais, ouais, il revient. Attention, super shoot activé pour Kekun, 27-17. Ah ouais, toi t'es toujours en avance. Ah oui, attends, le 3 points était vu. Attention, le Kekun va prendre de l'avance, il va mettre le 3 points, il va jouer un peu le temps, non même pas. Si, voilà, il a sa petite phase. Wow. Attention, il a cassé. Waouh, ce spin. Il a fait la pirouette là. On aurait dit bon clé dans One Piece. C'est ça, c'est pirouette, c'est... C'est Mister 2. Mémoire. Je fais pour la peine, je fais la toupie. Meilleure réplique de manga de l'histoire. Je fais la toupie. Oh, de Baudry qui est unleash là. Est-ce qu'il va remettre encore à 3 points? Il remonte qu'à 3 longueurs de Kekwood. Et Kekwood est en train de prendre tout son avance. À mon avis, il va jouer le temps. Il reste plus que 10 secondes. Tout est encore possible. Est-ce qu'il va prendre ce dunk? Ah, dommage. Bien joué Kekwood. Vraiment dommage. Bien joué Kekwood. Mais de Baudry qui a bien mis la pression là dans la dernière minute de jeu. Ça faisait plaisir. On va attaquer la deuxième demi-finale indirectement. Hein, on perd pas de temps. C'est Momox, me semble-t-il. Ouais, Momox contre alors, Birdie. Je vais mettre ça dans le chat. Alors, Momox. Voilà. Momox. Ah, Momox. Birdie. Momox, Birdie. S'il vous plaît. Ah, ça va vite. Pas moins d'une heure, si tu veux pas. Bah ouais, mais ouais, mais en vrai, ça devrait pas durer plus longtemps que ça. Hein. Si voilà, quand ça marche bien comme ça, ça dure pas longtemps. C'est vrai. Si les gens sont là, ils font leur match et en plus, t'as droit à des. Bah après, t'es bien. Hein. Moi, je suis bien là. Tout à fait. C'est vrai. Après voilà, c'est aux gens de venir faire leur match quand ils s'inscrivent et... ou de prévenir quand ils peuvent pas venir et ensuite quand le logiciel il tourne bien, bah nous on est bien. C'est ça. J'ai rien à redire sur le logiciel en plus. On va pas s'occuper de toute la logistique. À un moment ouais, quand c'est le logiciel qui merde, ça a plus de succès que Witchhammer. Ah ouais non, ouais. Fat Cat, je ferai les louanges du... Je ferai les louanges du logiciel jusqu'à ce que ça commence à merder comme GGPO. C'est vrai. Attention à ce que tu dis de bombe. Hein. Attention. Donc ça a commencé alors. À direct Momox, le 2 pour Duck. Delphi, voilà. Une barre de super shoot chacun. Oh là, ça fait intervention. Ouais, mais c'est mes persos Philadelphie. Ils ont pas de casquette, ils ont des bonnets. Non, si, si, il y a des bonnets. Attention, il y a un bonnet et des casquettes. Hein. Ah, pour l'instant là, Birdie qui retente encore beaucoup de... Il tente beaucoup de 3 points, Birdie, hein. C'est un homme du 3 points. Mais en même temps, ils jouent Philadelphie, hein. Ils ont le max en 3 points. Il y a des zones près de la raquette qui sont garanties en 3 points, en fait. Ah hein, ouais, c'est pas ça. Ouais. Ouais, les mecs, ils ont taffé. Non, mais continue, Doug. Bon, de toute façon, les joueurs de frisbee vont faire quoi? Ils vont te balancer un frisbee pour te menacer. Ils sont un peu fragiles, hein. À part Dan, qui est grand. Et EZL aussi, il est grand. Mais Kekun, il est tout petit. C'est vrai. Kekun est tout petit. Oh là, ce dunk tout en... Oh, c'est 3 points, propre. Ce sont super shoot activé du côté de chez Birdie. Downtown. Le 3 points. Un petit layup. Non, pas. Voilà. Tout le sel du ballon qui est parti avant de tomber dans les filets. Oh, beau 3 points Momox, il active le shoot, une petite interception, un petit coup de coude dans le bide. Oh, le hookshot, bravo. 312 à 9, c'est serré, hein. C'est serré, il reste 30 secondes au compteur. Et pas le pass. Oh, les tirs de Birdie, mais tellement le guac. Hop. Encore un super shot, 12 à 14. Momox il tient bon, hein. Momox c'est un mec du basket en vrai. Qui prend l'avantage sur la fin? Joli 3 points Momox. Ah merde, oh, tu m'as spoilé, oh, t'as spoilé la dernière saison. Wouah, ce 3 points à la dernière seconde. Ah, fou ça. Ce frisbee c'est fait pour jouer avec ton chien. Oh là là, ah, c'est tellement propre, j'avais jamais pensé à cette phrase. C'est vrai, et puis je suis sûr que ton chien le manie mieux en plus. Hein. Oh, cette phase imbloquable de Duck Bomb. D'ailleurs, il y a un Windjammer. En plus, t'as un jeu avec le chien dans Windjammer. Avec un Windjammer, je le rappelle, Duck Bomb n'a rien inventé.
Bah, le prochain Tugegua, car j'en parlerai à la fin du stream, mais j'ai un petit truc à dire après à la fin du stream, vous verrez. Nous verrons. À cause de futurs événements. Ah, 21 à 15, il reste 1 minute 30. Bon, Momox, il a pas perdu encore 1 minute 30, ça peut aller très vite. Oui, attention, tout peut être retourné. Il y a un temps super shoot chez Birdy. Ah, il reprend encore un dunk là, ça fait 15 à 23. Il a 8 points d'avance, Birdy, il est plutôt bien. Il faut claquer pour les 3 points, Momox. Encore un 3 points qui passe, voilà, il reste plus que 5 points. Par contre, le super shot qui est chargé pour Birdy. Voilà, mais super shot, il safe. Le 3 points. Il passe. Tout est à refaire. Bon. Les gens n'attendent pas de alley-oop quand même. Hein. Oh le layup, bravo! C'est vrai que le Dempsey Roll peut me coûter cher. Hein. Oh la passe, il a mis tout le monde dans le vent. Oh là là, Birdy, 20-28. Le daron du jeu. Ah, c'est ah, dommage. Ah, il avait intercepté la première tentative de dunk, mais. Ah, il me manque un petit panier pour l'honneur, même pas. Oh là. Oui, je le fais dès que j'ai fini ça. Hmm? Le truc que Dan me demande, je le ferai juste après le stream. Oui. Mais Birdy qui gagne 28 à 23. Donc on va voir en finale bah, Kekun de Birdy. On va faire ça en 4 minutes. En deux mi-temps de 4 minutes. Voilà, j'espère qu'ils ont entendu. Ou qu'ils se sont rappelés. Hey, je vous règle la fenêtre. Voilà, on était tellement vite pour enchaîner les matchs, ça fait flipper. On dirait même pas qu'on est sur mon stream, hein, on se croirait chez les riches. Il ne resterait plus qu'une bonne connexion. D'ailleurs, j'aurai bientôt la fibre, d'ici 2 mois, je pense. Donc on aura des streams en 720p. Ils ont mis un 4 minutes, oh là là, c'est des génies de l'écoute, hein, les meilleurs viewers du monde, ça. Voilà, bah c'est la finale, 4 minutes, donc un match de 8 minutes. Bon, Kekun il va jouer New York, hein, c'est un mec de New York. Birdy va garder Philadelphia, voilà, ça joue les persos du cœur. En plus, ça joue voilà, sur le stage du hip-hop. Ah, le DJ il est craqué, c'est mon perso le DJ. Direct Kekun qui ouvre les hostilités avec un dunk 2 à 0. Bon, ah, ça rate le 2 points. C'est plutôt rare que ça rate les 2 points dans le jeu. Ah, Kekun direct qui prend l'avantage à 4 à 0. Est-ce que Kekun devait écraser encore son adversaire comme il l'a fait dans les autres matchs? Ah, voilà, enfin un dunk qui est trouvé par Birdy. Pour l'instant, ça dunk beaucoup, pas beaucoup de tentatives de 3 points. Birdy qui est plutôt prudent sur cette partie. Ah là là, il prend un reverse dunk, ça c'est l'imbloquable du jeu, hein, c'est sûr. Je vous le dis. On a beau me dire le contraire, c'est un imbloquable. Pour l'instant, personne ne l'a contré. Ah, il tente 3 points. Oh, bien joué, le 3 points qui passe 6 à 5. Oh, là, on va avoir un vrai match de basket, je vous le dis. C'est mieux que NBA 2K5. Hein. 8 à 5, le super shot qui est chargé pour Birdy, donc un 3 points garanti. Oh, belle interception de Kekun qui s'est pas fait avoir par la feinte. Tu peux pas l'arrêter, ça c'est l'invincible. Le 3 points trouvé par Birdy. Birdy qui va tenter beaucoup les 3 points maintenant qu'il a un peu de retard. En plus, il a son super shot bientôt chargé. Ah là là, c'est ah, quelle sale race. Oh, c'est bien joué de la part de Kekun qui a mis un peu la pression en restant en dehors de la raquette. Encore une belle interception, il se fait pas avoir par les feintes de Birdy Kekun. Intelligence de jeu. Il s'est fait avoir par le décalage là de Kekun. 15 à 8. À 7 points déjà de retard pour Birdy. Le dunk qui passe, 15 à 10. Il a super shot chargé. 1 minute 50 en compteur. Le step dunk qui passe encore. Ah là là, le super shot, il faut le rentrer tout de suite maintenant. Voilà. Le super shot qui passe. Il remonte à 17 à 13. Ah là là, Kekun qui a beaucoup beaucoup d'avance, ça va être difficile pour Birdy de remonter, surtout avec le super shot chargé pour Kekun alors que lui il a la barre vide. Ah, le 3 points qui passe, il remonte à 19 à 16, là, ça va être le super shot, voilà. C'était garanti 22 à 16, mais Birdy qui a encore ses chances, il a 6 points de... Ouais, NBA Jam il a mal vieilli, ouais, le jeu il est... Le slam dunk.
6 points de retard encore pour Birdie. Tout n'est pas perdu. 1 minute. Oh, le 3 points. Bien joué. Presque de la moitié du terrain. Oh, l'interception du dunk, c'est bien joué. Ça va retenter un 3 points. Ça va retenter un 3 points. Non, ça safe avec un dunk. 24 à 23. Et la super shot chargée à Birdie. C'est plutôt bien joué. Il reste 40 secondes. Qu'est-ce que va faire Kekone? Il va tenter un dunk. Interception, oh, il se fait casser. 26 à 23, Birdie va pouvoir égaliser avec son super shot, sauf s'il se fait intercepter. Ouais, voilà, le super shot, 26 à 26. Kekone qui se fait rattraper, il reste 20 secondes au compteur. Encore à Duck, 28 à 26. Est-ce que Birdie va tenter à 3 points? 8 secondes, pour l'instant il y a égalité, 28 à 28. Il reste une seconde, voilà, c'est fini. Kekone qui va perdre son super shot à 30 à 28 dans cette première moitié de match. Et je ne devrais pas fumer en streamant, c'est mauvais pour la santé. D'ailleurs, même en ne streamant pas, c'est mauvais pour la santé. Oh, ça discute avec le coach. Le coach qui est assis, qui lève le poing là. Oh, ce petit zoulon, on dirait Shin EX. Birdie qui égalise l'entrée de jeu. Merde. Putain, depuis tout à l'heure, j'ai sa mère. Ah bah, Kekone qui trouve un 3 points, ça y est. 33 à 30. Oh, le 3 points qui rentre pas. Il prend le dunk. 35 à 30. Mais Birdie a réussi à rattraper Kekone une fois. Il peut le rattraper deux fois, je pense. Le dunk. Pas Birdie quand même à Philadelphie. Hein. Ah bah ouais, 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 mais il y a des bonnets. Il y a deux blancs. Ouais, mais il y a deux blancs et un noir quand même. Hein, ouais. Et le blanc de chez Kekone, il ressemble à s'il méprend. Voilà, un 3 points qui est trouvé par Birdie. 37 à 35, il faut qu'il intercepte Kekone là sur ce coup-là. Mais les noirs de New York, ils sont intestables niveau physique. Ah, alors, un 3 points. Bon, bah, ça a tenté 2-3 points, ça a vidé super chaud, font 3 points de chaque côté. Hein, c'est ça, je vais envoyer des fleurs au créateur de. Pas de cadavre, voilà, il prend une grosse avance qui coude, 42 à 37, le super shot directement, il remonte à 2 points de Birdie, de qui coude, là je confonds les noms, à croire que le père devait exister. 44 à 40, il faut réussir à mettre un 3 points à Birdie, 3 points, voilà, il remonte à un seul point, un seul petit point, interception de Birdie, il tente le dunk, enfin voilà, il prend Birdie qui prend enfin l'avantage dans ce match, 44 à 45 pour Birdie. Oh, le 3 points qui rentre et Kekone qui reprend 2 points d'avance, il rentre 2 minutes dans ce match. C'est intense. Ah, le dunk est plutôt bien joué, 47 à 47. La défense. C'est vrai, rendez-les jouer. Rendez-les jouer, quoi. Le fils OZL, sponsor par le team FDP depuis sa naissance. C'est vrai, oui, oui, mon fils est déjà sponsorisé par la team FDP. Complètement. Vous ne l'entendiez pas tout à l'heure? De remettre mon micro, oh là là, ce 3 points. 51 à 49, Birdie qui va être le 3 points avec le super shot. Voilà, c'est fait. 52 à 51, il reste 1 minute 30, c'est un match de ouf. Voilà, le 3 points qui est aussi mis par Kekone qui reprend ses 2 points d'avance. 1 minute, plutôt 1 minute de temps de jeu, le restante. Oh, le layup, il est 51 à 54. Oh, ce match d'une propreté. Oh, la feinte de Kekone. Ah ouais, moi je suis devenu à... Oh, le 3 points trouvé par Birdie. Putain, ce match est d'une intensité inégalable. Ça défend n'importe comment de la part de Birdie. Ça commence à sauter dans le vide. Un point d'avance pour Kekone, tout n'est pas perdu. 1 minute. Allez Birdie, faut y aller là maintenant. Il s'est fait intercepter, il réintercepte la réinterception. 59 à 58. Ah, ça va se jouer dans les dernières secondes. Attention. Ah, alors là, ça va être de la gestion de temps et de savoir qui va marquer pour gagner. Il va falloir gérer son super shot là. Ils vont l'avoir chacun de chacun activé, donc là... Ah, interception de Kekone, interception de Kekone. Si Birdie et le dunk qui passe. Birdie peut gagner sur sa gestion du temps. C'est ce que va faire Kekone. Il va gérer 62, le temps. 62-61. Il a une avance. Voilà. Ah ouais, bien joué. Pour l'instant, il gère le temps. Kekone, il a raison, il faut jouer le temps dans ces moments-là. Le super shot, il y a 6 secondes. Ah là, ça risque d'être chaud pour Birdie. À mon avis, c'est mort, c'est fini. 5 secondes. Le super shot. Il reste 2 secondes, 3 là. Non, là, Kekone va jouer le temps. Et à mon avis, Kekone va gagner. Il tente le 3 points. Ouh, en plus, ça a failli passer. 65 à 64. Bien joué à Kekone. Un point. Un seul petit point. C'est ce point qu'il a maintenu toute la deuxième période qui lui a permis de gagner. Ah, la vraie finale. Hein.
Vrai C'est final, vrai. aucun lag, des matchs qui s'enchaînent, mais c'est un des meilleurs tournois, on peut le dire. Vive Fight Cad, Un des mais. moins longs en tout cas. On a fini, alors tous les matchs sont finis, il est 18h59. Et encore, on a commencé en retard, et on avait J'avoue, pris la du temps perf. pour télécharger la ROM et tout. Donc. Il y a une performance au moins. World Record, on a speedrunné là, comme diraient les Blancs. Et sans incident technique, hein. Oui, il faut le préciser, ça aussi. Ah oui, là, je vais l'uploader dans la semaine. Puisque là, il y a matière à uploader, hein, c'était pas comme Rage of the Dragon. Et GGPO EX qui merdait. Alors que GGPO EX Plus est vraiment mieux pour le coup. Alors, oui, il fallait que je dise des trucs. C'est vrai que le Tougego, Alors. c'est une arnaque depuis le 1. Alors, qu'est-ce qui va se Ah bah oui. passer? Donc, pour ceux qui connaissent le Tougego, c'est toutes les 2 semaines, hein, ça change pas. Mais ce coup-ci, on va le faire dans 3 semaines, le prochain. Pourquoi? Oui, parce qu'il faut il faut se justifier dans la vie. Pourquoi? Parce Tu que la crois? semaine prochaine, le samedi prochain, pas dimanche, samedi Tu prochain, gagnes live. Togeguak en live, le premier, au Versus Dojo sur C'est Street vrai. Fighter 0. Donc, comme j'ai C'est besoin d'un vrai. petit peu de repos, ben, je le ferai dans 3 semaines, le prochain Togeguak en stream sur GGPO, enfin sur Fightcade. Donc je laisserai Kekun choisir le jeu, on va en discuter. Il a du temps, il peut prendre une semaine Non, parce que mais j'écrirai l'article dans une semaine. je crois que le jeu est déjà choisi, hein. Je suis dans les arcanes. Le jeu a déjà été décidé, hein. Enfin bref, voilà, donc on se verra soit samedi prochain au dojo pour ceux qui peuvent, hein, ceux qui habitent dans la région parisienne et qui veulent se taper en vrai ou me mettre une patate. Hein, Venez au dojo. et puis il Allez, faut, il faut soutenir la cause. c'est Et ça, sinon, bah, soutenir Mousquet. on se voit Ah, dans et 3 semaines pour. sur du reste. C'est vrai. Et pour ceux qui sont courageux, ce soir, Ce soir sur du c'est du bowling. bowling. Donc, Voilà, ce ce soir je soir, stream avec du un bowling. assist, très particulier. J'ai un sponsor très particulier ce soir, hein, pour le bowling, vous le savez. Donc, normalement, je serai. Si Miles a le courage, s'il a fini de décuver de ses 5 litres de Cuba Libre qu'il s'est envoyé hier soir, peut-être qu'il sera là. C'est Mais il y a ça. un assist ce soir. En plus, sur le layout du stream, en tout cas. Je n'en dis pas plus. Voilà, et ben merci aux élèves de m'avoir soutenu dans mon alcoolisme chronique. Voilà, moi je ne remercie pas Miles de m'avoir envoyé des photos des roast beef de 15 personnes qu'il a bouffé hier soir. C'est vrai que Ça, c'était il m'a stylé. remboursé. C'est vrai que J'avoue. c'était stylé. Merci aussi ceux qui ont fait les matchs, hein, parce qu'il y avait vraiment des bons matchs, hein, surtout la finale qui était bien hypante là. On s'est bien hypé J'avoue. sur des petits baskets. Donc je vous dis bah soit dans une voilà, soit samedi prochain, soit dans 3 semaines le dimanche. Et Voilà. pour les gens du bowling, on se voit ce soir. Des bisous Ce guédon. soir 21h. Des bisous Ouais, guédon, il tout à faut pas fait. être en retard. Et oh, ah oui, j'ai oublié de préciser, samedi prochain au dojo, 14h. Voilà, 14h et on Bah, finira. genre, Samy va réussir à ouvrir la salle avant. Oui, il m'a dit 14h. Voilà. Donc 15h. Donc 15h. Non, 14, non, venez 14h quand même.